إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Louange Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la question du divorce en période de menstrues. On s'est arrêté sur les arguments de ceux qui disent que le divorce en période de menstrues n'est pas valide. Alors, parmi leurs arguments, également, on a le athar qui a été rapporté par Ibn Hazm dans le Muhalla. Question numéro 1945, où on dit qu'Ibn Omar a dit au sujet d'un homme qui divorce sa femme alors qu'elle est en menstrue. Il a dit, il ne compte pas cela. Il a dit, il ne compte pas cela. Ibn al-Qayyim a authentifié ce hasar. Il a authentifié ce hasar aussi dans Tahzib Sunan, au tome 3, page 101. L'aspect argumentatif ici est clair. Ils disent, il a dit, il ne compte pas cela. Donc, ce divorce. Alors, on a déjà vu clairement qu'Ibn Omar a comptabilisé ce divorce, donc ce qui a été fait en période de menstrues. Comment ici encore il va dire, n'est-ce pas, de ne pas comptabiliser cela, donc comme divorce? Donc ça veut dire qu'il y a un ishkal, il y a un problème. Et c'est quoi le problème en réalité? En fait, cette riwaya là, elle est résumée. C'est une riwaya qui est résumée. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est que c'est rapporté par Ibn Abi Shayba, numéro 17746, avec une chaîne de transmission jusqu'à Ibn Omar, au sujet de celui qui divorce sa femme en menstrues. Il a dit, écoutez bien, il a dit, il ne compte pas cette période de menstrues. Il a dit quoi? Il ne compte pas cette période de menstrues. De même, Al-Bayhaqi rapporte cela dans Sunan al-Kubra, okay, numéro 15402. Il rapporte la même chose avec la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Omar. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est le même, n'est-ce pas, récit à la base. Nous devons donc comprendre que l'autre version là, où il est dit, il ne compte pas cela, c'est-à-dire cette période de menstrues. Car l'autre version a bien détaillé ça. Vous voyez? Car comme on va le voir, il y a une divergence entre les gens de science. La idda de la femme, la période de viduité, la période d'attente là, qu'est-ce qu'on prend en compte? Elle compte quoi? Les périodes de pureté ou bien la période de menstrues? Les périodes de menstrues. On sait que c'est trois périodes. Mais trois périodes de quoi? De pureté ou bien de menstrues? Il y a une divergence entre les gens de science sur ce sujet. Et Inch'Allah, on va, n'est-ce pas, détailler cette question-là. On avait déjà parlé de ce sujet-là, mais on va encore parler de cela plus en détail. Et ce hasard que j'ai mentionné, en réalité, est un argument contre eux. Kaif. Car le hasard prouve, n'est-ce pas, que Ibn Omar voyait que le divorce là est effectif. C'est valide. Car si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas eu besoin de dire qu'il ne compte pas cette période de menstrues. Celui qui a divorcé sa femme en période de menstrues, il dit, il ne compte pas cette période de menstrues. Comme on l'a vu.
Parce que si, n'est-ce pas, Ibn Omar voyait que le divorce là n'est pas valide, il n'aurait pas eu besoin de dire qu'il ne compte pas la période de menstrues là, dans laquelle il a divorcé sa femme. Car il ne va pas compter cela et d'autres périodes aussi, vu que le divorce là n'est même pas valide. Voyez. Or, en disant ici qu'il ne compte pas cette période de menstrues, on comprend quoi? Qu'il va compter les autres périodes jusqu'à faire 3. Jade, jusqu'à faire quoi? 3. Donc ça prouve en réalité que Ibn Omar voyait que le divorce est valide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ibn Hazm et Ibn Al-Qayyim, à cause de la version d'Ibn Hazm qu'on a citée donc au début, leur argument là, à cause de cette riwaya là, ils sont allés à dire qu'Ibn Omar a eu deux avis sur le sujet. Voyez. Et ils ont pris cette version là, cette riwaya là, pour renforcer la version d'Abi Zubayr. Ibn Rajab a réfuté cela dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. Et en réalité, en regroupant les versions, on s'aperçoit que l'autre version qu'ils ont mentionnée là, c'était une version qui était résumée en réalité. Donc lorsqu'il a dit il ne compte pas ça, il s'agissait là-bas de la peur de menstrues. Vous voyez, ça veut dire quoi? Lorsque l'homme divorce sa femme en période de menstrues, les savants qui disent, n'est-ce pas, que ce qu'on prend en compte, c'est la période de menstrues là. Jade, ils te disent que la période dans laquelle l'homme a divorcé la femme là, donc la période où elle est en menstrues là, on ne compte pas ça. Donc la femme ne compte pas ça dans la idda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va attendre. Elle va avoir sa période de pureté. Ensuite, la période de menstrues, c'est là où elle commence à compter. Donc ça, c'est la première période. Mais la période de menstrues dans laquelle elle a été divorcée, là, elle ne compte pas ça. Et les compagnons ont divergé en fait. Est-ce que la période d'attente, quand on dit la période d'attente, là, trois périodes d'attente, là, est-ce qu'il s'agit de trois périodes de pureté ou bien trois périodes de menstrues? Il y a une divergence entre les compagnons du prophète sur ce sujet-là. Comme on va le voir, Inch'Allah. Les compagnons du prophète ont divergé sur la question-là. Certains voient que c'est la période en menstrues qu'on prend en compte. Ok? Donc c'est ce qu'elle va compter. Une période de menstrues. Ok? Après une période de pureté. Après une période de menstrues, ça fait deux. Une période de pureté, une période de menstrues, ça fait 3. Jade. Mais si elle est divorcée en période de menstrues, ok? Des savants te disent quoi? Qu'elle ne compte pas la période de menstrues là. Les savants qui te disent que, n'est-ce pas, la période qu'on prend en compte, c'est la période de menstrues. Ils disent qu'elle ne compte pas ça. Elle ne va pas compter ça. Jade. Donc, quand on regroupe les athars qui ont été cités, ou bien les deux, si on prend les deux athars là, on se rend compte que l'autre version n'était pas détaillée. Ok? Et elle est le plus savant. Et si on suppose que ce n'était pas résumé, si on suppose que ce n'était pas quoi? Résumé. C'est-à-dire que l'autre version, la version qu'ils ont citée là, la version d'Ibn Hazm là, cette version d'Ibn Hazm, si on suppose que ce n'est pas résumé, ok, et qu'il a visé donc par là qu'on ne compte pas le divorce, alors ici, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre les deux versions. Parce que dans l'autre version, on dit qu'il dit il ne compte pas la période de quoi? De menstrues là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire prévaloir une version sur une autre. Car là, on est en présence, n'est-ce pas, des riwayat avec des asanides, n'est-ce pas, on nous rapporte cela avec des asanides jusqu'à Ibn Omar. Et le récit tourne autour de Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc, qu'est-ce que Abdul Wahhab al-Thaqafi a réellement dit? Est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas,
la première version, donc ce qui est mentionné dans la première version, donc qu'il ne compte pas cela, donc c'est-à-dire le divorce, ok? Ou bien il a dit, n'est-ce pas, qu'il ne compte pas cette période de menstrues. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Parce que cette version, n'est-ce pas, que j'ai mentionnée, elle est rapportée par, donc la deuxième version, elle est rapportée par Ibn Abi Shayba. Donc la version où on dit que la personne ne compte pas la période de menstrues. C'est rapporté par Ibn Abi Shayba. Et Al-Bayhaqi rapporte cela aussi. Ok? Donc, ils rapportent cela, donc dans leur riwaya, de qui? De Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc, si on se base sur les qawaïd, les règles des gens du hadith, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la riwaya qu'ils ont citée là est chaz. C'est marginal. Vu que la riwaya, la deuxième riwaya, où on dit qu'il a dit qu'il ne compte pas la période de menstrues, cette riwaya-là est rapportée par Ibn Abi Shayba et Yahya ibn Ma'in, ok, chez Al-Bayhaqi, ok, dans les Sunan. J'ai dit que Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi ont rapporté cela de Abdil Wahhab al-Thaqafi, ok, je veux dire par là qu'ils ont rapporté cela dans leur livre. Donc Al-Bayhaqi, dans les Sunan là-bas, et Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, ok? Mais sinon, dans la version d'Al-Bayhaqi, c'est Yahya ibn Ma'in, n'est-ce pas, qui rapporte cela de qui? Qui rapporte cela de Abdul Wahhab al-Thaqafi. Qui rapporte cela de Abdul Wahhab al-Thaqafi. Et Ibn Abi Shayba aussi qui rapporte cela de, donc le récit de qui? Abdul Wahhab al-Thaqafi. Or, celle qu'on a qualifiée de résumé là, ok? Cette riwa est rapportée par qui? C'est rapporté par Mohammed ibn Bachar. C'est rapporté par Mohammed ibn Bachar chez Ibn Hazm, d'après Abdil Wahhab al-Thaqafi. Or, les deux autres là, ok, Yahya ibn Ma'in, Ibn Abi Shayba, rapportent le même récit de qui? De Abdil Wahhab al-Thaqafi. Mais dans leur version, il n'est pas dit qu'il ne compte pas cela. Il est dit qu'il ne compte pas cette période de menstrues. Vous voyez? Si on veut ici, si on prend les qawaïd des gens du hadith, on va dire quoi? La riwaya de Mohammed ibn Bachar, en réalité, elle est chaz. Parce que déjà, même les deux là, Ibn Abi Shayba et Yahya ibn Ma'in, ils sont plus forts. N'est-ce pas? Ils sont plus forts que lui. Donc, Mohammed ibn Bachar, ils sont plus forts que lui en mémorisation. Vous voyez, en mémorisation. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'est trompé ici, c'est qui? C'est Mohammed ibn Bachar. Vous voyez? Parce que ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une divergence. On a Mohammed, n'est-ce pas, ibn Bachar, qui rapporte de Abdil Wahhab al-Thaqafi le récit. Dans sa riwaya, il est dit. Ibn Omar a dit, il ne compte pas cela. Donc, le divorce, comme ils ont expliqué. Ensuite, on a, n'est-ce pas, Ibn Abi Shayba, ok, et Yahya ibn Ma'in, comme c'est rapporté par Al-Bayhaqi, qui eux rapportent le même récit en réalité, de qui? Du même rapporteur là, qui est Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc, leur chair, c'est qui? Leur chair ici, c'est Abdul Wahhab al-Thaqafi. Donc les deux rapportent de qui? De Abdul Wahhab al-Thaqafi, le récit dans leur version. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Que Ibn Omar a dit qu'il ne compte pas cette période de menstrues. Jade. Donc qu'est-ce que Abdul Wahhab al-Thaqafi a dit en réalité? Vous voyez? Donc ici, là, si on doit faire précéder une version sur une autre, selon les qawaïd des gens du hadith, on va faire précéder la version de qui? De Ibn Abi Shayba et de Yahya ibn Ma'in. Les deux ici, là, contre qui? Mohammed ibn Bachar. Donc la riwaya d'Ibn Hazm, on va la qualifier de quoi?
de chaise, de marginal. Vous voyez? Mais, on préfère dire, n'est-ce pas, que leur version là est résumée. OK? Parce qu'en réalité, ça ne cause pas un ishkal. Si on comprend cela ainsi, c'est mieux que de dire, n'est-ce pas, que le rapporteur s'est trompé. Donc il a résumé en fait. Il a dit, il ne compte pas cela. C'est-à-dire la peur de monstru. Mais ce n'est pas quoi? Le divorce. Même si, quand on lit, on peut comprendre qu'il s'agit de quoi? Du divorce. Mais quand on prend l'autre version qui est détaillée, on voit que non, ce n'est pas ce qui est visé là-bas. Vous voyez? Donc c'est mieux que de dire, n'est-ce pas, que leur riwaya là est quoi? Est chaze. Mais s'il faut vraiment, si on veut considérer, ou bien si on veut faire prévaloir une version sur une autre, alors ici, il n'y a pas de doute, selon les qawaïd des gens du hadith, que leur riwaya là, elle est quoi? Elle est marginale. Elle est marginale, Jade. Vous voyez aussi l'importance de la science du hadith. L'importance de la science du hadith. Les gens qui négligent la science du hadith, regardez une question comme ça. Plusieurs points ici là sont basés sur des hadiths, des athars. En fonction de leur authenticité, il y a un hukm. Donc c'est important d'étudier, n'est-ce pas, la science du hadith. C'est important. Ensuite, nous disons ceci, intabihu. De plus, Abdul Wahhab al-Thaqafi là, dans leur version qu'il cite là, comme argument, il rapporte le récit là de qui? Il rapporte le récit là de Ubaydullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Intabihu. La version d'Ibn Hazm. La version d'Ibn Hazm. Abdul Wahhab al-Thaqafi. Abdul Wahhab al-Thaqafi rapporte cela de qui? Il rapporte cela de Ubaydullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Or, Ubaydullah ibn Omar là, de qui Abdul Wahhab al-Thaqafi rapporte, lui-même disait que le divorce d'Ibn Omar, donc lorsqu'il a divorcé sa femme en période de monstru, lui-même, il disait que le divorce d'Ibn Omar là était comptabilisé comme un divorce. Sauf qu'il a contredit la sunna. Il a dit sauf qu'il a contredit la sunna. Donc, ça c'est rapporté de qui? Ubaydullah Ibn Omar. Avec une chaîne de transmission authentique. C'est rapporté par Ad-Dharqutni dans les Sunan. Numéro 3903. Avec sa chaîne de transmission, n'est-ce pas? D'après Muhammad ibn Abdil A'la al-Sana'ani, na Mu'tamir ibn Suleyman, qal sami'tu Ubaydullah an Nafi' an ibn Omar. Il a même dit, il a divorcé sa femme en période de monstru d'un divorce. D'un divorce. On peut même tirer de ce texte que c'est la position de Ubaydullah ibn Omar. Vous voyez. Donc, la riwaya intabihu. Je ne sais pas si vous comprenez là. La riwaya qu'ils ont mentionnée là, de Abdul Wahhab al-Thaqafi. La riwaya de qui? De Abdul Wahhab al-Thaqafi. Qui est mentionnée par Ibn Hazm. Cette riwaya qu'on a qualifiée de résumé là. Cette riwaya là, Abdul Wahhab al-Thaqafi rapporte ça de qui? De Ubaydullah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Ok? Mais Ubaydullah ibn Omar là, lui-même, il confirme que le divorce d'Ibn Omar était considéré comme étant un divorce. Vous voyez, donc ça vient encore renforcer ce que nous sommes en train de dire. Alors, parmi leurs arguments, ils disent,
si le divorce était valide, donc le divorce en période de menstrues là, si c'était valide, le fait de lui demander de la récupérer pour la divorcer une deuxième fois n'aurait pas eu d'intérêt. C'est plutôt un mal dans ce cas, car cela fera plus d'un divorce et la période de viduité sera plus longue. S'il veut toujours d'elle, il a le droit de la récupérer. S'il ne veut plus d'elle, il n'a pas à la récupérer. Et donc, dans ce cas, lui ordonner de la récupérer, tout en sachant, n'est-ce pas, ou bien tout en disant que le divorce est comptabilisé, n'a pas d'intérêt législatif. Il y a plutôt un mal en plus. Jade, alors, intabihuhuna. Alors, le cheikh al-Islam a mentionné ça comme argument. Voir Majmou' al-Fatawa au tome 33, page 24, également Majmou' al-Fatawa au tome 33, page 22. Et Ibn al-Qayyim, son élève, a avancé un argument proche de celui-là. Mais en réalité, ceci est une déduction qui s'oppose au texte. Si les textes sont clairs, ou qu'on a des preuves que ceci est un divorce, on ne peut plus venir avec notre raison qui est limitée et dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Plusieurs choses sont légiférées. Il se peut qu'en lisant le texte, ok, le serviteur ne voit pas la sagesse. Or, elle est bien, bel et bien là, mais ce n'est pas clairement mentionné. Un exemple. Si l'homme divorce sa femme et qu'elle a un enfant, donc il a eu un enfant avec elle, il a divorcé, l'enfant prend encore du lait. La femme peut demander qu'on la paye pour allaiter l'enfant là. Et il doit le faire. Donc l'homme là, qui a divorcé sa femme, doit la payer. Il doit la rémunérer pour qu'elle allaite son enfant. L'homme qui a divorcé là. Et on peut voir cela dans la sourate 65, verset 6. Mais ici là, quelqu'un peut ne pas voir la sagesse, vu que dans le texte, ce n'est pas cité. Quelle est la sagesse? Va-t-on rejeter cela? Non. Des savants ont mentionné la sagesse. Car à la base, ok, des savants ont mentionné la sagesse, car à la base, l'homme s'occupe de sa femme. Ntabihu. L'homme s'occupe de sa femme. Après le divorce, elle n'a plus d'homme qui s'occupe d'elle. Ok? Parce qu'une fois l'homme divorce sa femme, une fois elle est divorcée, que la période de viduité est terminée, c'est fini. Il ne s'occupe plus d'elle. C'est-à-dire, il ne va plus la nourrir. Ok? La vêtir. Il ne s'occupe plus d'elle. Alors, cette femme-là, il se peut qu'elle ait des difficultés pour se nourrir. Et l'enfant a besoin du lait maternel. Or, c'est son enfant. Or, ce lait-là, c'est par rapport à la nourriture aussi de la femme. Si elle ne trouve pas de quoi manger, elle peut avoir un manque de lait, ou bien le lait va sortir vraiment en petite quantité, vous voyez, ou ça peut avoir une mauvaise qualité. Et cela peut affecter ou va affecter le bébé. Donc, elle prend de l'argent pour l'allaitement, bien que ça soit son enfant. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment ça? Comment ça? C'est quoi la sagesse? C'est son enfant? Mais il y a des savants qui ont mentionné cette sagesse-là. Donc, elle demande qu'elle soit payée pour l'allaitement de son enfant. Mais cette sagesse-là n'est pas mentionnée dans le texte. Quelqu'un peut, voilà, en lisant le texte, il dit, mais comment? Comment on va demander, n'est-ce pas? C'est son enfant. On dit, non, il faut la payer pour qu'elle allaite l'enfant. Comment ça?
Il rejette le texte. C'est pas quelque chose de raisonnable, donc il rejette le texte, selon lui. Car il ne voit pas la sagesse. Alors que non, il y a une sagesse. C'est pourquoi des savants ont dit, si la femme est toujours mariée, elle n'a pas le droit de demander cela. Car l'homme s'occupe déjà d'elle. Il s'occupe d'elle. Il lui est obligatoire de s'occuper d'elle, de la nourrir. Comme on voit, Sourate 2, verset 233. Elle a droit à quoi? À la nourriture. Il doit également, n'est-ce pas, la vêtir. Vous voyez? Il n'y a pas ici, n'est-ce pas, une chose encore qu'on doit obliger en disant que il doit donner encore l'argent pour l'allaitement. Non. Il s'occupe déjà d'elle. Vous voyez? Quant au verset 6 de la sourate 65, ça concerne les femmes divorcées. Les femmes divorcées. Or, le verset 233 de la sourate 2 concerne celle en plein mariage. Celle qui est mariée. Vous voyez? Et ça, c'est la vie des Hanafiyyah, du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, du Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres. Et je crois que ça ne fait pas vraiment longtemps. Il y a un frère de Côte d'Ivoire qui m'a posé la question par rapport à ça. Si la femme doit demander, elle a le droit de demander qu'on lui donne de l'argent, donc elle soit payée pour allaiter l'enfant. Voyez. Donc voilà le tafsil, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre ici. Pour obliger un salaire en plus, ok, des dépenses en plus, que ce qui est venu dans les textes pour la femme, ok? Il faut quoi? Il faut des preuves. Il faut des preuves. Bref, on revient au sujet. Donc, on a vu plusieurs preuves qui montrent que le divorce d'Ibn Omar était comptabilisé. Ça a été comptabilisé comme divorce. On ne peut plus s'opposer à ça par ce genre d'argumentaire. Si on ignore la sagesse, si on ignore la sagesse, on se doit d'accepter le texte. Allah a dit: Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sourate 24, verset 51. Selon une traduction rapprochée. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est: nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Mais l'excuse, n'est-ce pas, du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève, ok? L'excuse qu'ils ont, c'est quoi? C'est que pour eux, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé que le divorce a été comptabilisé. Donc, ils ont rajouté cela comme argumentaire. Un argument, on va dire, entre griffes, rationnel. OK? Ce n'est pas que eux, ils rejettent les textes, OK? Ou bien avec la raison. Non. Ils ont ici une excuse. Ils ont mentionné l'argument entre griffes, rationnel. Parce que déjà pour eux, ce n'est pas prouvé. Donc ils ramènent ça en plus pour renforcer en fait leur argumentaire. Jade. Mais pour nous, c'est prouvé que le divorce a été comptabilisé. Donc la raison limitée n'a plus sa place. N'a plus sa place ici. Jade. Ensuite, nous disons intabihuhuna. Nous n'avons pas dit que si l'homme divorce sa femme en période de menstrues, ok, qu'après l'avoir récupérée, il doit obligatoirement la divorcer après sa période de pureté. Non. On n'a pas dit cela. Et le prophète n'a pas dit que c'est une obligation. Donc il doit la divorcer après. Jade, nous disons plutôt que s'il ne la récupère pas, le divorce est valide avec le péché. S'il savait.
que c'est haram. Jade. Donc on ne doit pas venir avec ce genre de choses de dire que non, lui demander de la divorcer après, n'est-ce pas? Ceci n'aura pas d'intérêt et tout ça. On n'a pas dit que c'est obligatoire. Ça, c'est d'abord un. OK? De deux, concernant l'intérêt, la sagesse. Quelle est la sagesse? Pourquoi on lui demande de la récupérer? Certains gens de science, tels que Al-Aini, mentionnent que c'est pour enlever l'effet du péché. Ou lever le péché là. Car il a fait dans une période où c'est quoi? Où il est interdit de divorcer. Donc on lui demande de la récupérer. C'est comme en fait une réparation. Maintenant, si après, ou bien s'il veut la divorcer, il attend la bonne période. Maintenant, s'il veut la divorcer, il attend la bonne période. Certains ont mentionné également, n'est-ce pas, que son divorce là, comme son divorce là était haram, donc pourquoi on lui demande de la récupérer? Ils ont mentionné, intabihu, que comme son divorce là était haram, c'est-à-dire dans cette période-là, il n'avait pas le droit de divorcer dans cette période-là, alors ça veut dire que le mariage doit obligatoirement continuer. C'est pour cela qu'on lui demande de la récupérer. Maintenant, s'il veut la divorcer, après, il le fait au moment permis. Le moment où c'est permis. Ça veut dire quoi? Intabihu. Lorsque la femme est en période de menstrue, l'homme a le droit de la divorcer en période de menstrue, oui ou non? On a vu qu'il n'a pas le droit de la divorcer en période de menstrue. Donc, si un homme a envie de divorcer sa femme et qu'elle est en période de menstrue, qu'est-ce qu'il fait? Il doit patienter obligatoirement. Il doit patienter obligatoirement. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'a pas le droit de la divorcer dans cette période. Donc, ça veut dire qu'il doit patienter. Donc, il est obligatoire pour lui de patienter, d'attendre la période légiférée. Il n'a pas le droit de la divorcer en période de menstrue. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il est obligatoire qu'il continue dans ce mariage-là. Pendant la période de quoi? De menstrue. Étant donné qu'il n'a pas le droit de la divorcer dans cette période. Donc le mariage-là doit continuer obligatoirement pendant cette période-là. Parce que c'est interdit pour lui de divorcer dans cette période-là. Donc il est obligé de rester dans ce mariage-là jusqu'à ce que la bonne période arrive. Donc la période où il a le droit de divorcer. Par conséquent, lorsqu'il divorce sa femme en période de menstrue, on lui demande de la récupérer car ce mariage-là doit quoi? Continuer obligatoirement. Il n'a pas le droit. Donc il a divorcé sa femme en période de menstrue alors que c'est interdit. OK? Ça veut dire quoi, c'est interdit? Ça veut dire que si sa femme est en période de menstrue et qu'il veut la divorcer, il n'a pas le droit de le faire. Il doit attendre. Ça veut dire que ce mariage-là doit continuer. Il doit rester dans ce mariage-là obligatoirement pendant cette période-là. Parce qu'il n'a pas le droit de divorcer dans cette période-là. Par conséquent, s'il divorce quand même, on lui demande ici de la récupérer parce que le mariage doit continuer. Le mariage doit continuer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc certains gens de science ont mentionné ça comme sagesse. Que c'est ça la sagesse. Pourquoi on lui demande ici de la récupérer? Parce que justement, il est obligatoire que ce mariage-là continue. Donc, il la récupère. Maintenant, il va la divorcer dans une période qui est quoi? Qui est légiférée. S'il veut la divorcer, après. Alors, certains ont essayé de réfuter ça en disant quoi? En disant que non, ce n'est pas sahih. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait l'analogie avec le début du mariage. Ils ont dit non, si au début, le début, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire, il n'était pas obligatoire de se marier, par conséquent, il n'est pas obligatoire que le mariage la continue. Donc,
Si au début, il n'était pas obligatoire de se marier, il n'était pas obligé de se marier, ok? Et donc, continuer aussi ce mariage-là, pendant cette période-là, ce n'est pas obligatoire. Mais ça, c'est pas sahih. Ça, ce n'est pas sahih. Parce que ici, là, l'analogie, n'est-ce pas, il y a des différences. Au début, ok, disons, il n'était pas obligatoire pour lui, il n'était pas obligatoire pour lui de se marier. Mais maintenant, il s'est marié. On lui a interdit de divorcer pendant des périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est dans ces périodes-là, il doit faire quoi? Il doit patienter. C'est une obligation ici, qu'il patiente, oui ou non. C'est une obligation. Parce que ce n'est pas permis pour lui de divorcer dans cette période-là. Parce que s'il divorce dans cette période-là, il est dans le péché. Donc il est obligatoire pour lui de patienter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage doit continuer pendant cette période-là. Ça veut dire que ça doit continuer obligatoirement. Jade, donc on ne doit pas faire l'analogie avec le début. De dire que non, ce n'était pas obligatoire qu'il se marie au début. Donc, ce n'est pas obligatoire aussi que ça continue. Non. Parce que ici là, il n'a pas le droit de divorcer sa femme en période de menstrue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas le droit de divorcer sa femme en période de menstrue? Ça veut dire que si elle est en période de menstrue, il doit patienter. Donc le mariage doit continuer. C'est ce que ça veut dire, c'est clair. Donc l'analogie là, fihi nazar. Jade, leur analogie là. Certains ont dit pourquoi on a demandé donc de récupérer? Pourquoi le prophète demande de récupérer? Donc il faut bien comprendre ici l'istidlal. Ok? Parce qu'on ne doit pas dire ici si le divorce là, si le divorce là, n'est-ce pas, était valide, on ne veut pas lui demander de la récupérer. Déjà, on a vu que lui demander de la récupérer, c'est la preuve que quoi? Que le divorce là est valide. On a détaillé cela. Mais en plus de ça, on vient ici d'expliquer quelques sagesses mentionnées par des gens de science. Certains ont également dit que c'est pour justement éviter que la période de viduité soit longue. Car on a interdit de divorcer en période de menstrues. C'est pour cela. Pour éviter que la période de viduité soit longue. Donc, ici, là, en la récupérant, il va enlever cela. Jade. Et Ibn al-Qayyim a mentionné ça de certains savants dans Tahzib al-Sunan, au tome 1, page 500. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme divorce sa femme, elle doit attendre une période de 3, selon la divergence, 3 menstrues ou bien 3 périodes de pureté, selon la divergence. Ok. Ici, là, il y a des savants qui ont dit que la période de viduité se comprend en compte, c'est la période de menstrues. Donc, la femme doit compter 3 périodes de menstrues. Mais, elle ne compte pas quoi? La période dans laquelle elle a été divorcée en période de menstrues. C'est-à-dire, si elle est divorcée en période de menstrues, elle ne compte pas cette période de menstrues-là. Donc, certains gens de science ont dit pourquoi on a interdit de divorcer la femme en période de menstrues. Certains gens de science ont dit c'est parce que, justement, en divorçant la femme en période de menstrues, sa période d'attente sera plus longue. Donc, ça peut être pénible. Comment ça? Disons qu'un homme a divorcé sa femme en période de menstrues. Est-ce qu'elle va compter cette période de menstrues-là? Ils disent non, elle ne compte pas ça. Donc elle va commencer à compter, n'est-ce pas, la période de menstrues qui viendra après. Or, cette période de menstrues-là qui viendra après, c'est après la période de quoi? De pureté. Si elle a été divorcée en période de menstrues, après cette période de menstrues-là, c'est quoi? La période de pureté. Après cette période de pureté-là, c'est la période de menstrues. C'est ça, c'est ici qu'elle commence à compter. Donc ils disent, on a interdit de divorcer la femme en période de menstrues. C'est pour éviter que sa période de viduité soit longue. Car si tu divorces ta femme en période de menstrues,
tu ne vas pas compter la période là, elle ne va pas compter ça, ok? Elle va attendre la période de pureté. Après, c'est la période de menstrue, ok? C'est ce qu'elle va commencer à compter. Donc ça fera une période de menstrue. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 2. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 3. Donc vous voyez que c'est vraiment long là. Donc ils disent que on a demandé ou bien on a interdit de divorcer la femme en période de menstrue, car en divorçant la femme en période de menstrue, la période de viduité sera longue. Donc, ici là, intabihu, quand on lui a demandé de la récupérer, lorsqu'on lui demande de la récupérer, donc l'homme qui divorce sa femme en période de menstrue, c'est justement pour éviter que cette période de viduité soit quoi? Soit longue. Donc, il la récupère. Jade, ensuite, il attend. S'il veut la divorcer après, il attend la bonne période. OK? Parce que si l'homme divorce la femme dans la période qui est légiférée, donc la période de pureté dans laquelle il a le droit de divorcer, sa période de viduité commence quand? Bon, ça c'est aussi un autre problème. Et on va parler de cela. Mais les savants qui ont dit que ce qu'on prend en compte, c'est la période de menstrue. Dans la période de viduité, ce qu'on compte. Donc, 3 périodes de menstrues. Celui qui divorce sa femme en période de pureté, dans laquelle il n'a pas eu des rapports, il n'a pas eu des rapports avec elle. Quand la période de menstrues va arriver, ça fait quoi? Une période. Donc, elle va compter directement la période qui vient après. Il a divorcé en période de pureté, dans laquelle il n'a pas eu des rapports avec elle. Elle va commencer à compter la période qui vient juste après. Ensuite, période de pureté. Donc, ça va faire donc une période de menstrue. Ensuite, on a la période de pureté. Ensuite, on a une période de menstrue, ça fait 2. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 3. Alors que lorsqu'il divorce sa femme en période de menstrue, elle ne compte pas cette période de menstrue-là. Elle attend la période de pureté. Ensuite, la période de menstrue, là, elle commence à compter. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 2. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 3. Donc ça, c'est plus long. Donc ils disent ici qu'on a demandé de la récupérer, c'est pour enlever ça. Sachant que les savants ont divergé, n'est-ce pas, sur la sagesse. Pourquoi on a interdit de divorcer la femme en période de menstrue? Et ça aussi, c'est parmi les arguments les plus forts des savants qui ont dit qu'en réalité, ce qu'on prend en compte, c'est la période de pureté et non la période de menstrue. D'autres ont dit... C'est pour qu'il fasse le divorce au moment légiféré. Car s'il ne récupère pas, ok, s'il ne la récupère pas, eh bien, les conséquences, ou bien les effets du divorce découleront d'un divorce interdit. Donc, on lui a demandé de la récupérer pour que les conséquences, les effets du divorce, ce qui découle d'un divorce, parce que lorsqu'on divorce, il y a des ahkam là. Tu ne dois plus faire ceci, tu ne dois plus faire cela avec la femme, etc., etc., etc. Donc les ahkam qui vont découler là, ils disent ici qu'on lui a demandé de la récupérer. Donc celui qui divorce sa femme en période de menstrue, il la récupère car, n'est-ce pas, les effets du divorce, les conséquences vont découler d'un divorce illicite. Et donc, on lui demande de la récupérer pour que les conséquences, les effets du divorce découlent d'un divorce qui est halal. C'est pourquoi on lui dit de la récupérer. D'autres ont dit ici que c'est comme une punition. Donc on lui demande de la récupérer ici, c'est comme une punition. OK? Il a divorcé dans une période où il n'a pas le droit de divorcer. Donc comme punition, on lui demande de la récupérer. Il la récupère. Jade. Donc voilà un peu ce que certains savants ont mentionné. Ce qui est plus apparent, elle est le plus savant, c'est la sagesse qui a été mentionnée par ceux qui disent, n'est-ce pas, que on lui demande de la récupérer car
le mariage-là doit continuer. Il n'avait pas le droit de divorcer dans cette période-là. Il n'a pas le droit de divorcer dans cette période-là. Donc le mariage-là doit continuer. Donc il la récupère. OK? De ce qui est plus apparent pour nous, Allah est le plus savant. Ensuite vient ceux qui ont dit, n'est-ce pas, qu'on lui demande de la récupérer pour éviter que la période d'attente soit longue. Mais ça, c'est plus pour ceux-là qui voient que la période de viduité, ce qui est pris en compte, c'est la période de menstrues Jade. Ensuite, nous disons ceci, intabihu. Alors, si on revient à ce qu'ils ont mentionné comme argument, disons que non, ici, là, la idda, la période de viduité sera longue. OK? Ça va causer du tort à la femme et tout ça. Nous disons intabihu. Arju antintabihu. Si on lui demande de la récupérer, car c'est ce qu'on va faire, on va lui demander de la récupérer. Il doit la récupérer. Quand il la récupère là, c'est sa femme ou pas? C'est sa femme. C'est sa femme, intabihu. Et elle a tous les droits, n'est-ce pas, qu'une femme a, n'est-ce pas, sur son mari. Donc on ne doit pas dire ici qu'elle est en Aïda. Elle n'est pas en Aïda. S'il la récupère, elle n'est pas du tout en Aïda. Elle n'est pas en période de viduité. Lorsqu'il a divorcé, en période de menstrues, on lui dit récupère-la. Quand il la récupère là, c'est sa femme ou pas? C'est sa femme. Elle n'est pas en période de Aïda. OK? Pendant cette période-là, elle n'est pas en période de Aïda pour qu'on dise que ce sera, la Aïda sera quoi? Longue. Et donc, si après ça, OK, elle a sa deuxième période de menstrues et que ça finit, si l'homme veut, il peut la divorcer. Et là, sa période de viduité commence. C'est là où sa période de viduité commence. Donc, où est-ce que c'est long là? Ce n'est pas long. La période de viduité commence dès le moment où on a divorcé, en période de pureté. Et ce qui est sahih, c'est que ce qu'on prend en compte en réalité, c'est la période de pureté et non la période de menstrues. Et on va détailler cela, inshallah. L'ishkal peut se poser si il ne la récupère pas. Pour ceux qui disent que la période de viduité, c'est la période de quoi? De menstrues. C'est-à-dire qu'on prend en compte la période de menstrues. Jade, là le problème peut se poser. On va voir que ce sera long. Vous voyez, elle va attendre. Comme on a expliqué. Mais à Sahih, la période de pureté, c'est ça la période même. La Idda commence là. OK? La Idda, n'est-ce pas, c'est la période, ce qu'on prend en compte, c'est la période de pureté. Donc on compte trois périodes de pureté. Ce qui est Sahih, elle est le plus savant. Et comme je l'ai dit, on va parler de cela en détail, Inch'Allah. Mais de toute façon, pendant la période d'attente, la femme est toujours sa femme. Tant que c'est un divorce révocable. Donc le premier divorce ou le deuxième. C'est toujours sa femme pendant la période d'attente. Mais le divorce est en cours. Donc si elle est toujours sa femme, ça veut dire quoi? Qu'elle a toujours ses droits. Elle a toujours droit à ses droits. Jade, on ne doit pas dire qu'il y a un mal ici. On ne doit pas dire qu'il y a un mal. Pendant la période de Aïda, pendant la période de pureté, pendant la période de Aïda, pendant la période, n'est-ce pas, de viduité là, cette période d'attente là, ou de viduité là, pendant cette période, la femme est toujours, c'est toujours la femme du mari. Jade, tant que c'est quoi? Le premier ou le deuxième divorce. C'est toujours sa femme. Elle a tous les droits d'une femme. OK? Donc on ne doit pas dire ici qu'il y a un mal, que dans la période est longue, il y a un mal. Non, puisque c'est sa femme. Le divorce est en cours, oui. Mais tant que la Aïda n'est pas encore terminée, c'est toujours sa femme. C'est toujours
sa femme. Jade, jusqu'à ce que l'Aïd va terminer Jade. Et tout ça, en fait, ce sont des arguments par la raison. On ne doit pas contredire les textes par ce genre de choses. En plus, les savants ont divergé sur la raison de l'interdiction du divorce en période de menstrues. Pourquoi on a interdit de divorcer la femme en période de menstrues? Est-ce pour éviter le fait que la période de viduité soit longue, ou parce que dans cette période-là, l'homme ne peut pas avoir des rapports avec elle? Et donc, en général, il ne va pas trop vouloir avoir des rapports avec elle. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir des rapports avec elle en période de menstrues. Donc, on ne divorce que dans la période où il y a en général l'envie d'avoir des rapports, la possibilité. Jade. Ou bien, c'est par adoration. On ignore la sagesse. C'est-à-dire, certains gens de science ont dit. On a interdit de divorcer la femme en période, n'est-ce pas, de menstrues, car en général, en période de menstrues, l'homme ne va pas vouloir avoir des rapports avec la femme. Car elle est en période de menstrues, car il sait qu'elle est en période de menstrues. OK? Et donc, on ne doit pas divorcer dans cette période-là. Dans cette période-là. Mais on divorce dans une période où, n'est-ce pas, la femme n'est pas du tout en période de menstrues. D'autres ont dit non. On a interdit, c'est. En fait, on ignore la sagesse. On a interdit de divorcer la femme en période de menstrues. N'est-ce pas? Mais on ignore la sagesse. Pourquoi? On fait ça par adoration. Vous voyez, toutes ces raisons citées-là sont en réalité des déductions. Vous voyez? Et on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ça. C'est ça la sagesse, c'est ça la sagesse. Car il se peut que la sagesse se trouve ailleurs. Vous voyez? Donc on ne peut pas délaisser les preuves claires pour ce genre de choses. Parmi les arguments, ils disent, n'est-ce pas, que si on dit que le divorce est valide et qu'on lui ordonne de la récupérer, que c'est obligatoire, il doit la récupérer. Donc, s'il divorce en période de menstrues, puis il divorce une deuxième fois, il aura à son compte deux divorces. Or, il voulait un seul divorce. Cela va causer du tort, n'est-ce pas, à la femme, vu que son mari n'aura plus de divorce dans lequel il peut la récupérer. Car après le troisième, n'est-ce pas, il faut quoi? Qu'elle se remarie et qu'elle ait des rapports sexuels avec l'autre. Et s'il a divorce, sans que cela ne soit un arrangement, sans que cela ne soit un arrangement, donc un arrangement entre eux, à ce moment, il peut quoi? Il peut la récupérer et faire un nouveau mariage. Donc ici, là, ils amènent ça comme quoi? Comme istidlal. Or, la femme ici n'a pas de péché. Vous voyez, parce que dans le récit, on a dit quoi? On a dit, ordonne-lui qu'il la récupère, puis la laisse. Il allait jusqu'à ce qu'elle devienne quoi? Qu'elle entre en période de pureté. Puis qu'elle ait des menstrues. Puis qu'elle soit en période de pureté. Puis s'il veut, il la garde. S'il veut, il la divorce avant d'avoir eu des rapports avec elle. Alors, par rapport à cet istidlal, nous disons, Ntabihu, les deux divorces ont été effectués par la volonté du mari. Personne ne l'a forcé. Jade. La première fois, lorsqu'il a divorcé en période de menstrues, et c'était haram, cette fois-là, c'est lui-même qui a divorcé. Vous voyez? Et certains gens de science ont même dit que c'est une punition ici. C'est une punition, c'est pourquoi on lui a demandé de la récupérer. Donc, le premier divorce là, c'est lui-même. Et le deuxième qu'il va faire, c'est toujours par sa volonté. C'est toujours par sa volonté, personne ne l'a forcé. Quant à la femme, elle ne peut que s'en prendre à son mari. C'est lui qui l'a divorcée de sa propre volonté. Et ce n'est pas la femme qui prononce quoi? Le divorce. Jade. Donc c'est lui qui l'a divorcée. Donc de dire que non, si on dit ça,
il va se retrouver avec deux divorces à son compte alors qu'il voulait un seul divorce. Mais c'est lui-même qui a divorcé. Le premier divorce, c'est lui-même, c'est sa propre volonté, c'est de sa propre volonté. Le deuxième, on n'a pas dit que c'était obligatoire. Jade, le prophète n'a pas dit que c'est obligatoire. Car il dit ici, puis s'il veut, il la garde. S'il veut, il divorce avant d'avoir eu des rapports avec elle. Donc s'il a divorce, c'est sa volonté. C'est de sa propre volonté. Donc c'est lui-même. Donc s'il y a quelqu'un, donc si, c'est-à-dire si on doit s'en prendre à quelqu'un, la femme doit s'en prendre à son mari. C'est son mari. C'est lui qui est en train de la divorcer de sa propre volonté. Jade. Je ne sais pas si c'est compréhensible tout ce qu'on est en train d'expliquer là. Celui qui ne comprend pas, il peut réécouter, réécouter pour mieux comprendre. Parce que je crois que c'est un peu technique aussi. Alors, parmi les preuves aussi, donc de ceux qui ont dit que le divorce en période de menstrues n'est pas valide, ils disent celui-là, ok, celui-là qui récupère sa femme doit prendre des témoins. Celui-là qui récupère sa femme doit prendre des témoins, deux témoins. Or, le prophète n'a pas ordonné à Ibn Omar de prendre des témoins. Donc, c'est la preuve que cela n'était pas considéré comme divorce. Alors ça, c'est vraiment un argument qui est faible. Car nous disons, le fait que cela n'ait pas été mentionné, ok, ne signifie pas qu'il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui empêche qu'Ibn Omar l'ait fait si on dit qu'il savait qu'il devait prendre de témoins. Ce n'est pas un argument qui fait le poids devant toutes les preuves qu'on a citées qui prouvent que le divorce a été comptabilisé. Et le prophète peut ne pas le lui ordonner. Le prophète peut ne pas le lui ordonner car il sait qu'il le sait. Il sait qu'il le sait. Quand il lui dit de récupérer, donc sa femme, il sait qu'il sait qu'il convient qu'il prenne deux témoins. Jade. Et puis, est-ce que c'était ça le but dans ce récit? Vous voyez. Ceux qui disent que le divorce en période de menstrues n'est pas valide, en réalité, ils n'ont aucune parole authentique qui remonte jusqu'au prophète, qui prouve réellement que le divorce en période de menstrues n'est pas quoi? N'est pas valide. Le hadith d'Abi Zubair, c'est un hadith qui est quoi? Qui est daïf, là, c'est comme on l'a vu. C'est faible. Donc, si l'homme divorce sa femme en période de menstrues, si c'est le premier ou le deuxième divorce, on lui demande de la récupérer. Ok? Comme le prophète a dit ici dans le hadith. Comme le prophète a dit dans le hadith. Même si, c'est vrai, il y a une divergence, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Mais le zahir du hadith, c'est obligatoire. C'est un ordre. Il a ordonné. Mais si c'est le troisième divorce, non. Ok? Pourquoi? Donc on ne lui demande pas de la récupérer. Pourquoi? Car ici-là, il n'a plus le droit. Comme dans la fatwa 2 de Omar, qu'on a vu. Parce qu'il n'a plus le droit de récupérer quoi? Il n'a plus le droit de récupérer ici, là, cette femme-là. Car c'est le troisième divorce. Donc c'est celui qui a le droit de récupérer qu'on va demander de quoi? De récupérer. Car dans le hadith, le prophète demande à Ibn Omar de récupérer car il a encore le droit de la récupérer. Jade. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur ce sujet-là. Donc en conclusion, le divorce en période de menstrues est valide. Celui qui le fait, n'est-ce pas? Il a le péché, s'il sait, mais c'est valide. Et on doit lui demander de récupérer quoi? Cette femme-là, Jade, tant que c'est le premier ou le deuxième divorce. C'est un grand sujet. C'est une grande divergence. Et la divergence est forte. Et je pense que si vous avez, n'est-ce pas, si vous avez bien suivi tout ce qu'on a mentionné ici, n'est-ce pas, tout au long de cette mas'ala, vous avez pu constater que la divergence est forte. Ok? Alors, maintenant,
concernant la femme avec qui l'homme n'a pas eu des rapports. Un homme s'est marié, mais il n'a pas eu des rapports avec cette femme-là. Ensuite, il a divorce. OK? Peut-il la divorcer en période de menstrues? Ici, là, oui. OK? Il peut la divorcer même en période de menstrues. Car cette femme-là n'a pas de Eid. Elle n'a pas de période d'attente. OK? Ça, c'est clair. Dans le Coran. La femme avec qui tu n'as pas eu des rapports, elle n'a pas de quoi? Elle n'a pas de Eid. De Eid. Elle n'a pas de Eid. Donc, celle-là, tu peux la divorcer en période de menstrues. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de période d'attente, période de viduité. OK? On a ordonné de divorcer conformément à la Eid. Or là, celle-là n'a pas de. Elle n'a pas de Eid. On a vu le verset que le cheikh a cité ici. Hein, le premier verset, n'est-ce pas, de la sourate 65. On a dit de divorcer conformément à la période de Eid, à la Eid. Or, celle-là n'a pas de quoi? Elle n'a pas de Eid. Elle n'a pas de Eid. Donc, il n'y a pas de mal à la divorcer en période de menstrues. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet. Le sujet est long. Vous voyez bien que les arguments, voilà, chacun essaie un peu de citer ses arguments par-ci et par-là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet. Wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.